Allo Paradise. Eh bien salut les amis, c'est Clopy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 9, voilà, de ma série l'incroyable Messi 99. Je voulais juste m'excuser pour les bugs qu'il y a pu avoir dans la vidéo d'hier. En fait ça venait pas de moi, quand je regarde sur mon fichier de base, sur mon ordi, il n'y a aucun bug, je sais pas d'où ça vient. C'est YouTube qui a dû merder dans l'upload, je sais pas. Mais moi tout est fluide, donc je m'excuse vraiment vis-à-vis de ces petits contretemps, parce que c'est vraiment pas de ma faute, et puis ça me fait chier parce que vous avez pas vu toute la vidéo correctement. Donc voilà, l'équipe elle est là. Donc j'ai dû acheter Benzema qui est sur le banc, il est là. Voilà, j'ai dû acheter Iniesta, Rakitic et Ressé. Donc on est resté en 4-3-2-1 pour avoir une attaque avec Messi vraiment bien présent sur le plan offensif. Voilà, on a vraiment une très belle attaque, un très bon milieu. Après la défense c'est toujours le plus difficile, mais il y a moyen. Donc on va lancer les demi-finales de la Coupe Gold si on trouve un adversaire, et puis sinon on ira en match 5 hein, comme d'hab. On tombe contre... Oh là 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 là. Franchement les gars, j'étais pas prêt à tomber contre une équipe comme ça dès le premier match. Mais on a les capacités pour gagner facilement. Et bon, après se prendre des buts ou pas, c'est un autre détail. Iniesta, c'est au-dessus, première alerte hein. Je sais pas pourquoi Piqué il monte. Messi, Suarez la frappe et on ouvre le score. Bien sûr qu'on ouvre le score, il est là Luis Suarez. Modric frappe aussi. Modric, punaise, voilà, faut tenter, ça rentre. Mais si 32 mètres, il y a moyen. Oh, elle est pas si... pas passé très loin. Iniesta, Messi pour Suarez. Suarez qui recherche Léo Messi, pied droit, c'est sorti, on a eu chaud. Mi-temps les gars, on gagne 2-0, franchement, deux belles frappes. Suarez, Modric nous permettent d'en être là à la mi-temps. Est-ce qu'il est hors jeu? Ouais, je pense qu'il est hors jeu. Rezé, il doit être hors jeu. Non, c'est la barre. S'il était hors jeu. Il était hors jeu. J'aurais dû la laisser à Messi. On n'est pas passé loin d'un but d'Effenberg, les gars. Ouh là 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 là. Ça reste pour Messi. Messi, enroule-moi ça. Ça fait 3-0 au plat du pied droit. Je m'attendais pas à ce qu'il frappe du pied droit. Je vous le dis clairement. Mais voilà, le but est là. On est en train de valider notre ticket pour la finale. Maintenant, il faut juste pas se prendre de but. Ressé qui est servi par Luis Suarez. Ressé, mais non. Attention, Belarabi qui nous gâche le délire. Putain, on va devoir acheter ce mec alors qu'il nous sert à rien dans l'équipe. On va Ressé, voilà, allez. Continuez, montez, tout le monde. Y'a personne qui est hors jeu. Mais si, il fallait le finir. Il fallait le terminer, celui-là. Léo Messi. La barre? Non. Merci gardien. Non, laisse pas tirer Effenberg. J'ai pas envie de l'acheter. Quoi, y'a penalty? Y'a pas penalty, wesh, c'est quoi? Heureusement que Suarez on l'a déjà, mais s'il y a pas penalty là-dessus. Suarez, vas-y. Maintenant Messi. Finis tout ça, Léo. Allez. T'as un contre-favorable pour Léo. La barre encore, elle est rentrée. Iniesta, putain, il s'est enflammé. Bon les gars, victoire 3-2. On va devoir acheter Belarabi. Bon, Suarez, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de le racheter, hein, c'est le même qui a marqué. On est en finale, on va acheter Belarabi. On se retrouve pour la finale tout de suite les mecs. Les gars, voilà, Belarabi a fait l'apparition dans le club. On change pas du tout l'équipe, on relance directement en finale. J'espère qu'on va remporter cette Coupe Gold les gars. C'est parti pour la finale les mecs, on tombe. Pourquoi il n'y a que des légendes, les mecs? Aujourd'hui, c'est complètement les légendes qui font la loi, ou ça se passe comment? J'espère qu'on va remporter cette finale, les mecs. J'ai confiance avec l'équipe qu'on a joué. Confiance, t'inquiète pas. Vas-y, Messi, bien joué. Ouh. Luis Suarez, la frappe. Et on arrive à se chauffer dès le début, là. Bien joué, Mertesacker. Vas-y, emmène. Vas-y, Luis. T'es servi par... Oh, y'a faute. Carton rouge. Là, y'a carton rouge. Sors le rouge. Et voilà, carton rouge. C'est qui? C'est Zuma qui se fait expulser direct. Ou même pas au bout de 15 minutes de jeu pour la finale. Rakitic, allez au fond. Non, il la sort. Oh, non. Rakitic, bien joué. Pour Luis Suarez. Luis Suarez, plat du pied droit. Yes, on ouvre le score en cette finale. Yes. Messi. Suarez.
Bien joué ça. Allez, allez, allez. Continuez, continuez, continuez. En plus, maintenant, il y a un trou dans la défense. Il nous leur donne. Iniesta frappe. Oh, ça, non, le poteau, c'est pas possible. Mais si, pour Rezé. Mais ça joue bien, dis donc. Ça joue bien. Rezé qui tente une balle piquée. Il y a la défense, c'est dommage. Attention quand même à Valencia. Attention quand même à Valencia. Merde, Zakir, pour l'instant, il est là. Il est là, il fera toujours le taf. Vas-y, Messi. Vas-y, Messi. Vas-y, Léo Messi. Oh là 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 là, l'arrêt. Rakitic la frappe. Mais c'est encore sorti. On est chaud. Regardez-moi ces stats à la pause. On est en finale, les mecs. On est en finale. On l'a pas laissé tirer. Mais ah, merde, Zakir qui empêche la légende de passer. C'est qui, c'est Zola en plus, la légende, je crois. Qui a marqué? Qui c'est qui a marqué encore? Philippe Lam, les mecs. Philippe Lam. Deuxième tir qui me fait. Il se balade. Personne l'arrête. C'est quoi encore ce bordel? Mertesacker. Oui. Je dis oui. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé le ballon là. Ouais, il me fait un cadeau comme ça en finale. Messi, il le mange. Il le mange carrément. Il le mange. Comme son nom de club KFC. Il n'en a fait qu'une bouchée. Bien vu, t'as attendu Messi. T'as attendu Messi. Luis Suarez, il finit le travail avec un peu de chance. Un peu de chance, mais voilà. A priori, la finale est remportée. Messi, vas-y, accélère. Accélération de Messi, peut-être encore un but. Peut-être encore un but. Peut-être encore un but. Il se fait gêner par son propre joueur. Mais voilà, ça fait 4 à 1. Léo Messi, il est là pour terminer en beauté. Yes, victoire les mecs. 4 à 1 en finale. On va devoir acheter Philippe Lam. Mais voilà quand même un très très bel épisode les mecs. On aura vraiment joué contre deux légendes clairement invisibles. Les gars voilà, explosez-moi la barre de like si vous voulez voir la suite très rapidement. Si vous voulez voir l'épisode 10 dès demain les gars, entre 2000 et 3000 j'aime. Regardez comme ils sont contents, on vient de gagner la coupe. Voilà, c'était facile, clairement c'était facile. J'espère que vous aurez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Clubby, prenez soin de vous. Bye tout le monde.